parcourir, c'est parti avec le numéro 2 Royal Chalon qui a accusé un petit peu le départ, et on a également Profit Report qui semble-t-il est mal parti. À l'inverse, on est très bien parti avec Prince of Troy qui se porte au commandement et qui va tenter de mettre la pression sur le leader. Eh bien oui, Prince of Troy qui va lancer cette épreuve devant Legal Maxim qui a très très bien sauté aujourd'hui alors qu'on a l'habitude de le voir en arrière-garde. Ensuite, on retrouve Not Liable as Deputy, Royal Challenge. Onain Gold est à l'extérieur de La Fauchée. On ferme le cortège avec Profit Report qui tente de recoller au peloton. Prince of Troy en tête et facilement avec Legal Maxim qui n'est pas très loin, tente de se rapprocher avec notamment La Fosse, avec Onain Gold, avec également Not Liable qui est dans le peloton à l'arrière-garde un petit peu décroché depuis le départ. Last Profit Report. Alors qu'on se dirige vers la rue du gouvernement, ça va toujours très très bien pour William Buick et Prince of Troy qui contrôle les opérations. Not Liable s'est rapproché à l'extérieur de Legal Maxim qui a beau parcours. As Deputy est quatrième. Ensuite, Royal Challenge Online Goal commence quelque peu sa descente et son effort à l'extérieur. Ensuite, il y a La Fauchée et Profit Report. Avec également Norin Gold, hein, la Kazakh sombre avec la toque jaune et Olivier Pédé qui tente de se rapprocher, mais devant, c'est toujours Prince of Troy. Attaqué maintenant par Not Liable qui fait un bon effort. On est là également avec Legal Maxim et les autres concurrents qui vont tenter de revenir. On est rentré dans la ligne droite, 200 mètres de but. Avec Prince of Troy qui va tenter de repartir sous la main de William Buick. Avec Not Liable et Carl Nejus qui va tenter de s'amener à l'extérieur. Onain Gold va tenter de s'amener également. Mais Prince of Troy a toujours l'avantage avec Onain Gold qui termine de plus en plus fort. Prince of Troy s'impose. Onain Gold est deuxième. Il aura photo pour la troisième place. Avec le numéro 8, Prince of Troy qui s'est imposé de bout en bout, Honor in Gold et notre ami Olivier Pellier qui est deuxième, et William Buick qui a gagné les trois courses PMU sur les trois qui ont été courues. C'est l'homme en forme, en pleine forme ici.